Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire ERICOM consacré aujourd'hui aux passerelles LoRaWAN et savoir quelle passerelle utiliser pour quel usage. Je suis Sébastien Roux, ingénieur application chez ERICOM et voilà, on est parti pour une petite session de 45 minutes environ sur ce sujet LoRaWAN. Vous avez comme d'habitude une boîte à questions sur le côté de votre fenêtre. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai en fin de session lors de la session questions-réponses. C'est parti, j'espère que vous m'entendez bien, sinon faites-moi un petit signe si vous avez des soucis de son. Normalement, tout fonctionne correctement. OK. Donc, je vois des petits pouces en l'air, donc ça a l'air d'être bon au niveau son. Merci pour les retours. Au sommaire de cette session webinaire, nous allons voir une petite présentation ERICOM, comme d'habitude, refaire une petite passe sur qui nous sommes, ce que nous proposons. Ensuite, nous attaquerons le vif du sujet avec l'utilisation des passerelles LoRaWAN. Donc, pourquoi utiliser une passerelle LoRaWAN? Qu'est-ce que le LoRaWAN en quelques lignes, puisque je pense que la majorité d'entre vous connaissent le LoRaWAN. On verra les différentes architectures possibles, les protocoles de sortie, et ensuite dans quel environnement peut-on installer une gateway LoRa. Enfin, on verra le portfolio avec la présentation des différentes passerelles que nous avons au catalogue avec les caractéristiques de chacune. Et enfin, une petite session de questions-réponses. Comme je disais, hein, vous pouvez dans le chat mettre des petites questions et j'y répondrai en fin de session. Alors, ERICOM, qui sommes-nous? Donc, on est une société de distribution de matériel électronique, informatique, télécom, IoT, qui a un peu plus de 20 ans d'expérience. On est situé, alors le siège social est situé à Paris, à côté de la tour Montparnasse, et nous avons deux entités. En France, deux bureaux, un à Bouféré en Vendée qui est plutôt la partie logistique et un autre qui est à Saumur où je suis, qui est un bureau commercial et technique. ERICOM, c'est 14 personnes, que ce soit dans l'administrative, dans la logistique, au commerce et puis des experts techniques pour vous aider en avant-vente et en après-vente sur vos besoins techniques. Voilà quelques technologies principales que l'on va vous proposer au travers des produits que nous commercialisons. Donc des solutions LPWAN, donc Low Power Wide Area Network, donc des solutions longue portée, bas débit, avec des autonomies assez grandes, type LoRaWAN, Sigfox, LTE-M, NB-IoT. Je pense que ces noms commencent à rentrer maintenant un peu dans les esprits de chacun et sont de plus en plus utilisés. Donc vous connaissez sûrement ces technologies. Un peu de technologie radio pour faire des ponts radio spécifiques sur des liaisons de communication, un peu de Bluetooth avec des petits dongles ou des choses comme ça. Et puis de la technologie cellulaire avec les fameux 3G, 4G, 5G que vous utilisez au quotidien avec vos smartphones. Mais nous, ça va être plutôt sur des produits industriels, sur des routeurs, sur des modems, voilà, sur ce genre de produits. Et bien évidemment, un peu de connectique Ethernet, du filaire. On n'est pas que dans le sans fil. On a aussi un peu de connexion filaire. Il en faut toujours pour relier, par exemple, bah, votre routeur à un automate où vous récupérez l'information d'une caméra IP, etc. Et puis du Wi-Fi aussi pour pouvoir se connecter localement, des fois sur votre machine. ERICOM propose différentes catégories de solutions. On part du capteur, donc le capteur physique qui va faire la mesure, par exemple, d'une température, qui va faire le relevé d'un index de compteur, etc., etc. Ce capteur va ensuite transmettre, souvent en radio, dans notre cas, des données. Donc, en fait, on va avoir une infrastructure qui va récupérer ces données radio et les pousser ensuite vers une plateforme logicielle, une plateforme IoT qui va mettre en valeur ces données. Récupérer une température, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un beau dashboard, c'est d'avoir une alerte en disant attention, là j'ai dépassé mon 20 degrés ou mon 25 degrés, etc. Et donc voilà, j'ai besoin de cette plateforme. Et ensuite, on propose en plus de tout ça bah, des services IoT. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous former, on va pouvoir vous assister techniquement sur l'installation de vos produits.
Donc, c'est une offre à tiroir, c'est-à-dire que vous pouvez choisir tout ou partie de cette gamme. Si vous avez besoin que des capteurs, bah, vous prenez que des capteurs. Si vous avez besoin de toute la solution, vous pouvez prendre capteurs plus infrastructure, plus plateforme IoT. Nos services, j'en ai déjà un petit peu parlé. Nous proposons des audits sur site. Alors, on parle aujourd'hui de LoRaWAN dans ce webinaire, mais c'est ce qu'on propose régulièrement à nos clients et on en fait à peu près un par mois un audit LoRa chez un client industriel dans la plupart du temps, quelquefois tertiaire, mais un peu moins, sur bah, la couverture de son site, optimiser l'emplacement des antennes pour qu'on ait le meilleur signal, pour qu'on puisse couvrir tout le site et optimiser aussi l'autonomie des batteries de leurs capteurs. On peut aussi vous former, donc former sur des technologies, former sur des produits spécifiques, voilà, donc on peut s'adapter en fonction de votre besoin. On peut aussi intervenir en accompagnement sur l'aide à l'installation. Alors, on n'est pas installateur, c'est pas notre but d'aller percer des trous pour fixer des capteurs, etc. Mais on peut venir en accompagnement pour vous aider lors d'une première installation pour dire bah voilà comment il faut configurer, voilà où il faudrait installer vos matériels, votre capteur de façon idéale pour optimiser le signal radio, etc. Donc là, on peut venir vous aider là-dessus. On est aussi là en conseil avant-vente, c'est-à-dire que vous avez un besoin technique, vous ne savez pas comment y répondre, vous ne savez pas quel produit, quelle technologie, ou alors il y a plusieurs produits, plusieurs technologies qui sont possibles. Bah, avec vous, on en discute, avec l'équipe commerciale, on en discute et on va vous proposer différentes solutions et peut-être trouver la plus pertinente dans les différentes technologies qui sont disponibles. Enfin, on est là aussi en après-vente. Une fois que vous avez acheté le matériel, bah, vous avez besoin de support. Vous ne savez pas comment configurer votre matériel. Vous voulez une optimisation de votre équipement au niveau de sa configuration. Bah, on est là par téléphone, par email, donc sur tous les jours de la semaine, on est disponible pour vous aider. Marques de partenaires. Donc nous proposons différentes marques de produits. Sur la gamme collectée, donc sur la partie capteur, on va avoir un partenariat avec Wateco qui est un fabricant français de capteurs Sigfox et LoRaWAN, qui est basé en Bretagne et qui va proposer une large gamme de capteurs. Ensuite, on a P&I qui est un fabricant américain qui va proposer des solutions Smart Parking, donc des solutions pour connaître l'utilisation d'une place de parking, donc avoir un état occupé libre de la place de parking, tout ça en LoRaWAN. On a Monit qui propose une solution de capteur, mais c'est hors du LoRaWAN, c'est une solution radio propriétaire qui va permettre de remonter des données de capteurs via leur passerelle jusqu'à leur cloud pour récupérer des informations. Beware qui va proposer une balise GPS qui va remonter en LTEM et qui va permettre de traquer bah, des équipements qui ne sont pas connectés. On va pouvoir traquer par exemple une remorque de camion, un wagon de train. Donc ça va être des produits qui vont être autonomes en énergie, qui vont remonter des positions assez régulièrement. Malsight qui va proposer différents capteurs LoRaWAN. Voilà, donc on a une assez large gamme de capteurs. Dans la gamme collectée. Dans la partie transmettre, on a le gros paquet, on va dire HMS, avec différentes marques qui sont Anybus, Ewon, Intesis, et puis Oasis qui est une société qui fait partie du groupe HMS aussi. Donc Anybus qui va proposer des passerelles de conversion de protocole, Ewon qui va proposer des routeurs d'accès distant et des routeurs de collecte de données sur des automates, Siemens, Schneider, Omron, etc., etc. Et Intesis qui va proposer des passerelles de conversion de protocole aussi, par exemple du Modbus vers du BACnet, du KNX vers du BACnet, etc. Et puis des passerelles pour les climatiseurs. Donc on va pouvoir s'interfacer avec des climatiseurs et remonter et piloter les données du climatiseur. Oasis qui propose un équipement qui va s'intégrer dans des véhicules plutôt dans l'embarqué, donc un routeur cellulaire qui va permettre du développement spécifique pour pouvoir gérer ses données, traiter sa localisation et autres informations sur le véhicule.
Options, Mileside, CareLink et Advantech, on va en discuter tout à l'heure. Ils proposent chacun des gateways LoRaWAN, mais pas que. Par exemple, si on prend Options, ils vont proposer aussi un routeur 4G. Mileside avec que des gateways LoRaWAN, CareLink aussi, et Advantech qui va proposer en plus des routeurs cellulaires. Sur la partie analysée, on a différents partenariats avec différentes plateformes logicielles. iOSync Solutions qui, avec sa plateforme Keron, permet de récupérer des données de capteurs LoRaWAN, par exemple, mais pas que, et de faire des beaux dashboards. Hexacom Rileva qui vont être plutôt en lien avec la gamme Ewon et qui vont permettre de récupérer des informations des Ewon, de vos automates pour les mettre en valeur et la plateforme Schneider aussi également. Ok, donc là on a fini sur cette partie présentation Ericom. On va passer à la partie qui vous intéresse le plus, je pense, c'est la partie passerelle LoRaWAN. Alors, la première question, c'est pourquoi utiliser une passerelle LoRaWAN? Alors, avant ça, on va d'abord refaire un tout petit point très très rapide sur qu'est-ce que le LoRaWAN. Donc, le LoRaWAN, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une technologie bas débit longue portée qui vient se greffer sur l'échiquier des technologies radio. On le voit à droite dans les solutions LPWAN. Donc, avant ces solutions LPWAN, on utilisait généralement un modem 2G pour remonter des informations. Modem 2G qui était vraiment prendre un bazooka pour tuer une mouche, excusez-moi l'expression, puisque on avait pour remonter des informations de température ou de compteur d'énergie, on avait trois fois trop de débit, voire plus, pour remonter ces informations. Et en plus, on avait le problème où on avait des produits qui n'étaient pas ou peu autonomes en énergie, donc il fallait avoir des batteries, plus des systèmes de panneaux solaires qui fournissaient l'énergie au modem 2G. Voilà, c'était assez complexe. Les solutions LPWAN sont arrivées et ont un petit peu pris la place de ce qui existait avec les modems 2G. Et maintenant, on va remonter de l'information sur des distances d'une dizaine de kilomètres, on va dire, en règle générale, et qui vont remonter quelques informations par jour. Donc, on va remonter, une température toutes les heures, on va remonter un index de compteur toutes les heures ou toutes les 4 heures, etc., etc. Donc, l'avantage de ces technologies LPWAN, c'est qu'on est sur une bande de fréquence qui est en dessous du gigahertz. Donc, on a une très bonne pénétration dans les murs, mieux que le Wi-Fi qui est à 2,4 gigahertz. Donc, voilà, sur des sites industriels type métallurgie, chimie, etc., avec plein de machines dans tous les sens, on passe très très bien au niveau radio. Et ça c'est toujours assez bluffant. On a une grande autonomie des capteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir entre 5 et 10 ans d'autonomie sur les capteurs dans la majorité des cas. Après, ça va être fonction du type de capteur, de fonction de données qui remontent. L'avantage du LoRaWAN et des LPWAN en règle générale, c'est que vous montez votre infrastructure radio, vous mettez une antenne ou plusieurs antennes sur le site qui vont couvrir le site et ensuite vous allez déployer vos capteurs. Donc vous n'avez pas besoin de tirer du câble et ça c'est un gros avantage. Tirer du câble c'est ce qui coûte cher souvent dans l'industrie. En plus il faut des fois couper la chaîne de production pour pouvoir passer les câbles parce que sinon ça vient gêner. Voilà, donc c'est tout de suite des coûts qui sont assez astronomiques. Là, vous allez placer vos capteurs qui ne vont pas être liés en fait, directement à la production, mais qui vont être annexes à la production et qui vont s'installer en deux temps, trois mouvements pour récupérer l'index de compteur du compteur d'eau, par exemple, que vous avez dans telle ligne ou telle ligne de production. Alors, il n'y a pas que des solutions réseau privé en LoRaWAN, il y a deux grandes familles. Il y a le réseau privé avec les passerelles, où vous allez être maître de votre infrastructure, et des solutions de réseau opéré. En France, vous avez deux acteurs qui sont Orange et Objenius, même si Objenius est en train d'arrêter son service, puisqu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas continuer. Il va rester bientôt plus que Orange qui va proposer cette solution. Il y a différents avantages et inconvénients en fonction de chaque solution. Si on prend la partie réseau privé, l'avantage en fait principal, ça va être la maîtrise de la couverture et donc l'optimisation de l'autonomie du capteur.
En LoRaWAN, par exemple, il faut savoir que en fonction de la proximité avec la passerelle, on va avoir des vitesses de communication qui vont être différentes. Et donc, plus ma passerelle va être proche de mon capteur, plus il va causer rapidement et donc moins il va utiliser de batterie. C'est un inconvénient côté opérateur puisque on ne sait pas où sont les antennes relais. C'est un peu comme en GSM ou en cellulaire en 3G ou 4G. Vous ne savez pas où sont les antennes relais. Si vous êtes en pleine campagne, des fois, vous n'avez pas forcément capté. En LoRaWAN, avec du réseau opéré, des fois, c'est un peu la même chose. Après, il existe des testeurs radio, hein, on en a au catalogue, qui peuvent vous permettre de tester la couverture et de voir si, par exemple, Orange passe sur tel site. Et puis qui peut aussi permettre de tester votre réseau privé en même temps. L'autre avantage côté réseau privé, c'est que vous allez maîtriser toute votre infrastructure. Donc vous allez choisir l'infrastructure, vous allez optimiser en fonction de votre site la couverture radio et vous allez pouvoir aussi améliorer cette couverture en rajoutant des passerelles. L'avantage, c'est que vous n'avez pas ou peu d'abonnements sur les capteurs. En fait, l'abonnement, souvent, il est plutôt à la passerelle et s'il y en a sur certains types d'architecture. Et voilà, vous avez aussi le choix des protocoles de sortie. L'inconvénient, c'est que vous avez à gérer votre réseau. Donc, si le réseau tombe pour X raisons, c'est à vous aussi de maîtriser un petit peu et de savoir comment dépanner. Donc, ça peut être aussi un inconvénient. Les inconvénients de l'un sont souvent les avantages de l'autre. Voilà. Donc, par exemple, la partie orange ou la partie opérée, elle peut être intéressante de ce côté-là. Ce n'est pas vous qui gérez le réseau, un peu comme votre téléphone portable, vous ne gérez pas le réseau mobile. Vous êtes dépendant du réseau Orange, Free, SFR, Bouygues, etc. Là, en fait, en LoRa, c'est pareil. Donc, s'il y a un problème réseau, c'est Orange qui va gérer et qui va dépanner. Donc l'avantage du réseau opéré, c'est que c'est plutôt pour des capteurs mobiles souvent, ou qu'on va embarquer dans un véhicule ou qui vont se déplacer de temps en temps. On a une couverture nationale. Alors ça va dépendre des sites bien évidemment, mais ça permet d'avoir des objets qui vont être en mobilité. Après dans les inconvénients sur la partie mobile, sur la partie opérée, c'est que vous avez des abonnements qui sont pour chaque capteur et donc ça, si vous avez énormément de capteurs, ça peut vite devenir cher. Après, vous pouvez toujours négocier des prix avec les opérateurs. Et enfin, sur les inconvénients, c'est que vous n'avez pas forcément trop le choix sur les protocoles de sortie au niveau opéré. Vous êtes sur du protocole web. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà, il n'y a pas de protocole type industriel. On va voir maintenant les différentes architectures LoRaWAN privées. Alors, pour reprendre un schéma global pour que tout le monde reprenne avec les mêmes bases, on a ce schéma d'architecture qu'on peut retrouver sur du LoRa, qu'on pourrait retrouver sur du Sigfox aussi, qu'on pourrait retrouver sur des choses comme ça. Le LoRaWAN, donc ça, on va avoir des capteurs qui vont être tout à gauche. Qui vont communiquer en radio donc sur le protocole LoRaWAN en 868 MHz. Ces données vont être récupérées par une passerelle LoRaWAN. Alors dans le cas d'un réseau privé, donc ça va être une passerelle LoRaWAN. Dans le cas d'un réseau opéré, ça va être aussi une passerelle LoRaWAN, mais qui va appartenir à l'opérateur et qui va souvent être mutualisée sur une antenne relais de l'opérateur télécom. Et ensuite, la passerelle, elle a pour but de pousser les données vers un service applicatif qui va vous afficher les données de vos capteurs. Si on descend un peu plus en détail, on a cette architecture où on voit qu'il y a un petit peu plus de choses dans le système. Donc les capteurs, c'est ce qu'on va souvent appeler les end-device, qui vont communiquer, donc comme on le voit en radio, avec les gateways. Ces gateways vont être connectés en IP, donc en Ethernet ou en 4G principalement, et elles vont communiquer avec un cœur de réseau. Ce cœur de réseau, il va être composé de deux blocs qui sont le network serveur et l'application serveur. Le network serveur, en fait, il a pour but de faire le gendarme et de dire, OK, moi je te connais en capteur, donc je récupère ta donnée et je la pousse à l'application serveur. Ou non, je la connais pas, je connais pas, et donc je refuse le paquet radio. En fait, c'est un petit peu l'arbitre, hein, qui va dire,
OK, moi je te connais et donc j'autorise tes données à arriver sur mon serveur applicatif. L'application serveur, lui, en fait, il va faire du routage, en fait, en fonction du capteur qui remonte les données, en fonction du modèle de capteur ou en fonction de ce que vous avez choisi, vous allez router les données vers telle ou telle application. Donc, vous allez, par exemple, si vous avez un capteur température, vous allez router vers l'application température. Si vous avez un capteur qui va compter des impulsions, vous allez plutôt le router vers l'application qui compte les impulsions. Voilà, c'est vraiment du routage derrière. Et enfin, la tierce partie, c'est l'application. L'application, c'est un serveur qui va être externe à ce cœur de réseau et qui va, comme je vous le disais, mettre en valeur ces données sous forme de dashboard et vous afficher, vous alerter sur des problèmes qui sont remontés. La communication, elle se fait souvent entre l'application serveur et l'application finale en HTTP et MQTT, mais on reviendra dessus après. Au niveau des architectures LoRaWAN privées, il y a deux grandes architectures possibles. Donc, il y a une architecture qui s'appelle l'architecture mono gateway, qui va être plutôt orientée pour des petits réseaux. Le mono gateway, en fait, ça va être une passerelle qui va embarquer le cœur de réseau. Donc, la partie network server et application server, ce qu'on appelle en gros le LNS, donc LoRa Network Server, il va être embarqué dans la gateway. Donc, j'ai une solution autonome, je mets ma gateway sur le site. Je déploie mes capteurs autour et ma gateway, elle récupère les informations et elle les met à disposition sous les différents protocoles qu'elle propose. L'avantage, c'est que ça se déploie facilement. Souvent, il n'y a pas d'abonnement sur ces gateways-là. Vous les mettez en place et ça tourne correctement. L'inconvénient, c'est que si demain, vous avez besoin d'agrandir votre réseau, vous n'avez pas la possibilité d'agrandir ce réseau aussi facilement. Si vous installez une deuxième gateway, en fait, cette deuxième gateway, elle va être autonome aussi et elle va avoir ses capteurs. On n'aura pas de communication entre ces deux gateways. Elles vont être chacune autonome, mais chacune avec leurs propres capteurs qui sont déclarés dessus. C'est pour ça qu'on a une architecture multi-gateway qui existe. Dans ce cas-là, en fait, on a un cœur de réseau qui va être déporté, qui ne va plus être embarqué dans les passerelles, mais qui va être déporté sur un serveur. Ce serveur, il peut être installé sur le site client ou alors installé dans le cloud en fonction du besoin. Sur site client, il peut être installé si par exemple vous avez un grand site industriel. Voilà, vous avez besoin de plusieurs gateways pour couvrir le site ou vous dites j'ai besoin de redondance, je veux installer au minimum deux gateways parce que s'il y en a une qui tombe pour X raison, j'ai une deuxième qui va prendre le relais. Ça, voilà, ça peut être intéressant donc d'avoir le cœur de réseau on-premise, donc installé sur votre infrastructure réseau, et plusieurs passerelles qui vont récupérer tous les capteurs, même si, si les deux gateways voient le même message radio, c'est le cœur de réseau qui va discriminer et qui va dire je garde que celui le plus intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour du multi-site. Par exemple, si vous avez plusieurs sites industriels, vous voulez déployer du LoRa, vous voulez avoir un cœur de réseau centralisé sur lequel vous avez la main et vous pouvez déployer vos capteurs. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Et si demain vous avez besoin de déplacer un capteur, je ne sais pas, un capteur qui va être sur une palette, qui va se déplacer d'un site A à un site B, entre le site A et le site B, en fait, il va être reconnu. C'est-à-dire que il arrive sur le site, il communique sur le site A, il remonte des données. Il arrive sur le site B, il est reconnu aussi par l'autre gateway et par le cœur de réseau. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et niveau évolutivité, cette architecture multi-gateway, vous rajoutez une nouvelle gateway pour ajouter un nouveau site ou vous voulez rajouter une nouvelle gateway pour agrandir la zone de couverture de votre site, ça se fait très facilement. Au niveau des protocoles de sortie, on va voir qu'il y a différents protocoles. Vous avez quelques noms qui sont affichés à l'écran, MQTT, HTTP, BACnet, Modbus. Voilà, je pense que c'est des choses qui vous parlent. On va rentrer dans le détail. Donc, on a d'abord plutôt des protocoles qui vont être orientés web, qui sont le plus commun sur les gateways LoRa, du HTTP, du MQTT.
Donc souvent, sur les passerelles LoRa, on va avoir du HTTP POST. Donc en fait, on va pousser, donc le cœur de réseau va pousser les données vers un serveur externe. Donc il va pousser vers le serveur applicatif. Le serveur applicatif est toujours en écoute et il attend que la gateway lui pousse des informations. Ça, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent sur les architectures LoRa. Après, dans certains cas, on peut avoir des API. Donc en fait, ça peut aussi être le serveur applicatif derrière qui vient chercher les données. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est la gateway ou le cœur de réseau qui met à disposition une API et c'est l'applicatif derrière qui vient de temps en temps voir s'il y a des nouveaux messages qui sont arrivés. Voilà. Donc souvent, la plupart du temps, ça reste du POST, mais dans certains cas, ça peut être l'application qui vient chercher les données. Le MQTT qu'on retrouve de plus en plus, le MQTT, c'est comme un service de chat, donc les fameux chats de conversation qu'on peut retrouver sur Internet, c'est un peu l'analogie. Donc on a un serveur central qui s'appelle le broker, donc, qui va avoir des connexions entrantes, à la fois de la gateway, à la fois du serveur applicatif. Et en fait, les différents acteurs vont s'abonner ou vont publier sur tel ou tel topic, donc sur un canal virtuel. Par exemple, ici dans la copie d'écran, on a le publisher là, qui pourrait s'apparenter à la gateway, qui va publier des informations de capteur, qui va les publier vers le broker MQTT. Et ensuite, on a le serveur applicatif qui va être abonné à ce fameux topic et qui va récupérer les informations pour pouvoir les traiter, pour pouvoir les décoder, pour pouvoir les mettre en valeur derrière. Donc voilà, ces protocoles orientés web, ils se retrouvent principalement sur toutes les gateways LoRa. Donc ça, c'est des standards de base. Même sur la partie opérée, c'est ce qu'on va retrouver généralement, c'est la partie HTTP, MQTT, avec leur pendant sécurisé HTTPS, MQTTS, bien sûr. Ce qu'on ne retrouve pas, par contre, sur la partie opérée, pardon. On va retrouver des protocoles plutôt industriels ou GTB sur les gateways. Donc on va retrouver dans certains cas du Modbus. Donc ça va intéresser plutôt le public qui va être plutôt industriel. Donc Modbus, c'est un standard qui permet de récupérer les informations. Donc on a deux types de Modbus. On a du Modbus RTU qui fonctionne historiquement sur du RS-485, qui permet de faire un bus de données. On trouvait ça beaucoup dans l'industrie, on en a encore beaucoup. Et maintenant, on a son nouveau pendant qui est le Modbus TCP qui fonctionne sur IP, donc sur des câbles Ethernet, et qui permet la même chose. Le fonctionnement du Modbus, c'est j'ai un maître qui va poser des questions à des esclaves, donc qui va demander donne-moi l'information qui est dans tel tiroir, en gros. Et l'esclave va répondre voici ce qu'il y a dans mon tiroir. Donc, par exemple, ça peut être une température. Donne-moi la température du capteur Tiki Tata Toto et l'esclave va répondre avec l'information de température. Donc en gros, dans l'architecture, on le verra après, qui Modbus sur des gateways LoRa, la passerelle va plutôt être en esclave, donc elle va être en attente d'une question du maître et elle va donner la température du capteur en question. BACnet, donc BACnet, c'est plutôt orienté GTB, donc gestion technique du bâtiment. BACnet, il y aura un avantage supplémentaire sur le BACnet, c'est que la donnée, elle va être typée. Le problème du Modbus, qui est vraiment un protocole assez ancien, c'est qu'on récupère des données, mais souvent, il faut faire des inversions d'octets, des choses comme ça, c'est toujours un petit peu complexe. Il faut toujours un petit peu tâtonner, on va dire, pour récupérer les informations. Le BACnet, c'est que vous allez scanner le réseau BACnet, vous allez voir qu'il y a un client BACnet qui est disponible, qui sera la gateway, qu'elle met à disposition telle ou telle donnée, et les données sont déjà typées. On sait si c'est une valeur booléenne, si c'est aussi une valeur analogique, si c'est une valeur autre. Voilà, on peut avoir des informations directement, et donc on est sûr de récupérer l'information au bon format. Donc ça, on retrouve de plus en plus des gateways avec du BACnet. Ce qui permet de faire un complément d'information sur la partie GTB. Par exemple, si vous avez un bâtiment qui a déjà des solutions, une supervision BACnet, vous voulez rajouter des capteurs LoRa pour aller récupérer des températures qui n'étaient pas mesurées jusqu'alors, vous pouvez le faire en LoRa.
qui remonte sur la gateway LoRa, et les données sont remises à disposition en backnet qui remonte sur la supervision locale. Pareil, hein, sur la partie backnet, on a deux solutions, backnet MSTP qui fonctionne aussi sur un bus série, RS-485, et maintenant la partie backnet IP avec de l'Ethernet. Donc dans le cas des gateways LoRa qu'on va proposer, on sera plutôt en IP plutôt qu'en RTU ou en MSTP. Quel environnement ? Alors l'environnement est important, c'est surtout le choix de l'emplacement de la gateway. Dans certains cas, alors on va être en intérieur, des fois on va être en extérieur. Ce que en conseil, ce que je peux vous donner, si vous voulez optimiser la couverture d'un site, essayez de mettre la gateway au-dessus du bâtiment, sur le toit du bâtiment, ça c'est vraiment l'idéal, ressortir l'antenne à l'extérieur pour avoir une meilleure couverture. J'ai eu le cas plusieurs fois sur des audits radio, avoir une gateway qui est en plein milieu du bâtiment, un bâtiment de 5 étages et une gateway qui est au milieu, ça va limiter la propagation des ondes. Et le fait de ressortir l'antenne, de mettre l'antenne à l'extérieur, ça optimise vraiment la qualité du signal. Donc, quand on a bien sûr une gateway en extérieur, ben, on a besoin d'une gateway qui va être étanche. Ou alors, si elle n'est pas étanche, ben, il va falloir la mettre dans un petit coffret étanche. Voilà, donc c'est des points à prendre en compte. Si elle est en extérieur, il faut aussi prendre en compte la température de fonctionnement de cette passerelle. Il ne faut pas qu'elle fasse du 0,50 degrés, sinon on va être vite contraint. Il faut plutôt du moins 20 jusqu'à plus 70, plus 75 degrés. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Donc, il y a plein de points à prendre en compte. Et on va utiliser vraiment une passerelle industrielle et pas une passerelle grand public qu'on trouverait sur n'importe quel site. Si elle est en intérieur, on a aussi différentes contraintes. On le voit sur la photo en bas à gauche, on peut avoir de la poussière, on peut avoir de l'encrassement avec des process industriels qui peuvent venir poser des problèmes sur les connectiques Ethernet ou autres. Donc on a des gateways intérieurs qui sont un peu plus protégés, qui vont peut-être avoir un indice de protection IP65 ou plus. Donc voilà, il faut faire attention à ça, il ne faut pas prendre à la légère le type de gateway que vous allez utiliser. C'est pareil si c'est dans une chaufferie, même si vous êtes en intérieur, donc il n'y a pas besoin d'avoir une passerelle qui va être complètement étanche, mais il faut qu'elle tienne la température élevée, il faut qu'elle tienne un peu d'humidité s'il y a de l'humidité. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Donc on a au portfolio, on le verra après, différentes offres de gateway qui vont répondre à tel ou tel cas d'usage. Et en parlant de portfolio, on y vient. Voilà les différentes offres de gateway que nous avons au catalogue. On va commencer par la marque Advantech, donc avec la passerelle Wise 6610. Donc la passerelle Advantech, elle existe en deux versions, une version Ethernet seule ou une version cellulaire. Et en fonction de la référence, vous pourrez mettre plus ou moins de capteurs. C'est une forme de licence, on va dire. Quand vous achetez la passerelle, vous ne pouvez pas, par contre, migrer d'une licence à une autre. Vous avez une version avec 100 capteurs et une version avec 500 capteurs. Cette gateway, elle est basée sur un système d'exploitation qui est l'OS des routeurs cellulaires Advantech que je maîtrise bien. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent. Ils ont rajouté un petit module additionnel qui est le module logiciel qui permet la gestion des capteurs LoRaWAN. Et vous allez pouvoir facilement gérer vos capteurs, vous allez pouvoir faire un petit peu de décodage et vous avez la solution Node-RED, donc Node-RED qui est un outil de programmation graphique qui va vous permettre de décoder les données, de pouvoir les pousser sous différents formats. Il existe un connecteur Modbus aussi, donc mettre à disposition les données en Modbus, il faudra les décoder en amont ou sinon les pousser en MQTT. Autre solution au catalogue, la solution Carelink. Donc Carelink est une société française qui est basée à côté d'Arennes, qui propose des gateways LoRaWAN avec, comme on l'a vu tout à l'heure, différentes offres, des versions intérieures et des versions extérieures. Version intérieure, on a la IFM2Cell et IFM2Cell Evolution et la IZ2Cell qui a été rajoutée récemment, qui vont être plutôt intérieures et qui vont ne pas avoir forcément d'indice de protection très élevé au niveau poussière ou étanchéité.
Par contre, si vous voulez mettre une gateway en extérieur de marque Kerlink, il faudra utiliser donc la eStation qui va avoir de la connectique Ethernet ou 4G et qui va être étanche pour elle. Sur Kerlink, on a trois offres possibles. On peut utiliser les gateways nus, c'est-à-dire qu'on va les utiliser en packet forwarder. Elles vont pousser les données des capteurs LoRa vers un cœur de réseau déporté. Si on en cite quelques-uns, on peut citer du TTN, du Agility, du Loriot, etc., pour n'en citer que certains. On peut utiliser le cœur de réseau intégré, donc qui s'appelle le SPN, donc qui a une petite licence en plus, mais qui est une licence one shot quand vous commandez la passerelle, et donc vous avez une passerelle mono, une mono gateway, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est valable pour les versions IFEMTOOCELL et eStation. La Kerlink IZTOOCELL n'est pas compatible. Et sinon, on peut utiliser le cœur de réseau déporté Kerlink WMC, qui est la solution de cœur de réseau Kerlink propriétaire. Sur ces gateways, en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez pouvoir pousser en HTTP, MQTT. Sur les versions SPN, vous allez avoir Node-RED pour pouvoir faire du développement spécifique. Voilà, donc on a ces différentes offres au catalogue. Toujours concernant Kerlink, on peut avoir sur les solutions IFEMTOOCELL, IFEMTOOCELL Evolution et eStation une surcouche logicielle qui s'appelle Micro IoTis et qui va permettre de pouvoir mettre à disposition les données en mode bus TCP et en backnet. Donc ça, c'est une surcouche logicielle. C'est pareil, il y a une histoire de licence dessus, mais qui est une licence one shot. Donc vous commandez votre passerelle. Donc en fait, c'est basé sur SPN et c'est le cœur de réseau intégré. Et c'est une petite surcouche logicielle qui met à disposition les données en mode bus. Et voilà, vous pouvez avoir ces données qui sont récupérées dans une table d'échange à disposition de la passerelle. Il y a un certain nombre de capteurs qui sont pour l'instant décodés ou compatibles. Après, on peut voir sur demande pour rajouter des capteurs dans ce type d'architecture. Fabricant Option, qui est un partenaire belge, qui propose une passerelle modulaire. C'est une passerelle en fait, sur laquelle on va pouvoir greffer des cartes d'extension, comme on le voit sur la photo à droite. Donc, on peut rajouter une carte LoRa, on peut rajouter des cartes d'entrée-sortie, des cartes de communication série, M-bus, etc. Et en fait, donc ça fait office de passerelle LoRa. Et de base, en fait, on va avoir un outil de programmation graphique qui s'appelle l'UiTrade, alors qui va ressembler étrangement à Node-RED, mais c'est un langage de programmation qui est un petit peu différent, qui est sur du Lua à la place d'être sur du JavaScript. Et qui permet, comme on le voit sur le programme en dessous, de récupérer des données de capteurs LoRa, par exemple une température humidité, de stocker les données et puis de les mettre à disposition en mode bus. Voilà, il y a plein de connecteurs disponibles sur l'UV-Thread. Donc on va retrouver du mode bus, du backnet, du HTTP, du MQTT. On peut retrouver aussi des compatibilités directement avec des plateformes cloud type Amazon AWS ou Microsoft Azure. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles à l'intérieur de cette passerelle CloudGate. Il existe différentes versions de CloudGate. Donc la version CloudGate Ethernet plus carte LoRa, la version LTEW, donc c'est la version 4G worldwide plus la carte LoRa. Et après, on a d'autres formats un peu plus compacts, la mini, la micro, la nano, avec des options LoRa aussi à l'intérieur. Pour certains clients, le fait de développer dans l'UiTrade était un peu un frein, puisqu'ils n'ont pas forcément un profil développeur, bureau d'études ou autre, et en fait, ils ont plutôt un profil intégrateur. Donc là, en fait, ils étaient assez limités avec l'UiTrade, où ils n'avaient pas les connaissances, et c'était un peu compliqué. Donc en fait, il y a une solution qui existe, une surcouche logicielle, qui est pareil sous licence one shot. Vous la payez en fait quand vous commandez votre matériel et après vous en êtes propriétaire, par gateway, bien sûr. Et en fait, cette surcouche, elle va permettre de faire des menus web dans l'interface de la CloudGate et vous allez pouvoir comme ça déclarer facilement vos capteurs. L'avantage, c'est qu'il y a le décodage des données qui est intégré. Il y a un peu plus de 250 capteurs qui sont décodés. Donc, il y a un portfolio de capteurs qui est assez impressionnant dans cette passerelle. Et on va pouvoir retrouver des sorties, les sorties qu'on avait vues avant.
Modbus, Backnet ou les plateformes cloud. Et si besoin, ben, on peut toujours retourner dans le vThread pour traiter les données. L'avantage, c'est que si par exemple vous faites la conversion LoRa vers Modbus, en fait, ça se fait en 3 clics. Il faut donner un petit numéro d'esclave à votre capteur LoRa. Il faut cocher les capteurs qu'on veut récupérer, donc les données qu'on veut récupérer. Donc, par exemple, ici, ce qui est mis en jaune. Et dans ma table d'échange Modbus, après, ben, je vais retrouver ces informations qui vont être mises à disposition. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Cette passerelle CloudGate, elle est faite pour des petits réseaux. On va être au maximum jusqu'à 100 capteurs sur le réseau LoRa. Enfin, dernier acteur, Malsight. Malsight, qui est un fabricant chinois, qui propose différentes gateways au catalogue. On a trois grandes références, même s'il y en a une autre que je n'ai pas citée, une plus petite, mais qui est plutôt pour l'intérieur. Sur Malsight, on va retrouver l'UG56, UG65 et UG67. UG56, qui est une version intérieure qui n'a pas forcément de protection, d'indice de protection spécifique au niveau poussière et humidité, qui existe avec option 4G ou non. Et toutes les gateways vont être PoE. Ensuite, on a l'UG65 qui va être IP65, donc qui va avoir un peu d'étanchéité, qui ne va pas être complètement étanche, mais qui a un indice de protection qui peut être intéressant. Donc pour l'installer, par exemple, dans un milieu poussiéreux ou avec un petit peu de projection d'eau ou de liquide, ça peut le faire. Pareil, elle existe aussi en version 4G. Elle intègre du Wi-Fi, je ne l'ai pas noté. Et l'UG67 qui est la version extérieure, donc la version outdoor de la gateway, qui se met sur le toit du bâtiment, par exemple. Sur ces gateways, on va retrouver de la programmation graphique avec Node-RED. On va retrouver de base en sortie du HTTP, du MQTT et du Backnet. Donc le Backnet, il faudra passer par les décodeurs qui sont intégrés. Donc il y a des décodeurs de la gamme Malsight, des capteurs Malsight qui sont déjà intégrés dans leur gateway, mais il y a la possibilité de rajouter d'autres décodeurs custom à l'intérieur. Si vous voulez faire du Modbus, c'est possible, mais il faudra développer dans Node-RED. Voilà. Ce qu'il a, il faut remettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et coder cette fonctionnalité-là. Voilà pour cette offre de gateway. J'espère que c'est un peu plus clair. Je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Touk, 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 touk. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Les informations remontées par les capteurs seront sous forme de payload. Est-ce que les sont décodées par les gateways pour mettre à disposition en clair sur le réseau Modbus Backnet? Bon, les payloads bruts seront mis à disposition. Non, le but, quand on remet à disposition les données des capteurs en Modbus ou en Backnet, c'est d'avoir les données décodées. Donc, en fonction des gateways que vous allez choisir, vous avez soit les décodeurs qui sont déjà intégrés, donc vous choisissez juste le modèle et la marque et le modèle du capteur, et les données vont être décodées directement. Soit vous ajoutez votre décodeur, puisque dans certains cas, bah, les décodeurs ne sont pas intégrés, mais il y a la possibilité de les ajouter, et vous aurez à disposition les données décodées. C'est vraiment le but, hein. Sinon, s'il faut décoder derrière, c'est toujours un peu plus compliqué. Une question plutôt, avoir votre avis. On sait que LoRa est performant sur la lecture des capteurs. On arrive de plus en plus avec des capteurs actionneurs. D'après vous, le LoRa est-il performant pour de l'écriture? Nous sommes en train de faire une installation de termes statiques pour lire et écrire des consignes. Alors, l'écriture, oui, l'écriture est possible avec le LoRa en classe C. Donc, en fait, il y a différentes classes d'objets sur la partie LoRaWAN. Du classe A qui va être plutôt bah, des capteurs qui vont être sur pile et qui vont bah, récupérer l'information et se rendormir après. Donc, ça, c'est par exemple le capteur de température. Et maintenant, on retrouve en classe C des actionneurs. Donc, c'est des capteurs ou des actionneurs qui vont être en écoute permanente du réseau LoRa, qui vont, quant à eux, être alimentés électriquement sur le secteur. Ça fonctionne plutôt bien. Moi, je n'ai pas forcément de soucis particuliers avec le classe C. Après, ça va dépendre du nombre de capteurs sur le réseau, le nombre de gateways. C'est sûr que si vous n'avez qu'une seule gateway et que vous avez 500 actionneurs que vous pilotez à 10 minutes, ça va être vite compliqué. Vous allez avoir des collisions de radio et des choses comme ça. Donc là, il faut densifier plutôt le réseau. Voilà. Mais sinon, non, ça fonctionne plutôt correctement.
On me dit que sur la passerelle MySat, il y a un inconvénient, c'est l'impossibilité de déporter les antennes 4G. Oui, c'est un problème qu'on a remonté aux fabricants et on est en train de discuter là-dessus. C'est vrai que dans certains cas, oui, l'antenne 4G est intégrée dans la gateway, on ne peut pas la ressortir. Donc c'est vrai que c'est un inconvénient, malheureusement. On en a remonté cette information-là aux fabricants et on verra ce qu'ils ont fait derrière. Est-ce que le LoRa traverse le bâtiment avec un bardage métallique? Oui, j'ai fait des tests sur des sites industriels métallurgiques, dans des grosses usines. On met la gateway sur le toit d'un des bâtiments, sur le toit le plus haut, et on arrive à passer des bardages, même quand il y a plusieurs bâtiments, et sans problème. Voilà. Donc après, je conseille de faire un audit sur site pour tester le réseau, pour vérifier que ça passe bien. Dans certains cas, il y aura besoin de gateway pour couvrir le site, parce que si le site est très étendu. Mais non, c'est franchement toujours assez bluffant, hein, ça passe très bien. Les murs, même la partie béton, des fois, j'ai fait des tests derrière des stations d'épuration, des grosses stations d'épuration en béton, et ça passait très bien. Voilà, ça peut, c'est toujours assez bluffant comme technologie. Quand va s'arrêter le réseau opéré Orange? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de date de fin. Ils ont annoncé qu'ils iraient au moins jusqu'à 2028, mais pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils allaient arrêter. Ils ont juste dit, de façon peut-être maladroite, on va dire, qu'ils allaient. Quand Objenius a dit qu'ils arrêtaient, Orange a dit bah, nous, on continue au moins jusqu'à 2028. Mais je pense qu'ils vont continuer derrière, il n'y aura pas de souci. Après, si vous voulez être immunisé par rapport à ce problème d'opérateur, bah, passez sur du réseau privé. C'est sûr, vous n'aurez pas de problème. Quelles sont les règles en termes de fréquence des émissions des capteurs LoRa vers les gateways? Donc, en fait, on est sur une bande de fréquence 868 MHz. C'est une fréquence qui est libre de droit, donc vous ne payez pas de licence, à contrario des fréquences 3G ou 4G que les opérateurs utilisent et qui sont payantes. Donc là, on utilise une bande de fréquence qui est libre de droit. On a par contre certaines contraintes. On ne peut pas émettre avec une puissance trop élevée, mais ça, c'est déjà défini dans les capteurs généralement. Et on ne peut pas émettre trop fréquemment. Alors, historiquement, on disait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous des 10 minutes de fréquence de communication. Maintenant, ça a un petit peu changé. Il y a d'autres fréquences qui sont arrivées dans le jeu et donc on a un peu plus de souplesse. Par contre, je reste quand même souvent sur ces 10 minutes qui restent à peu près communs. Sinon, il existe chez certains fabricants de capteurs bah, des modes qui permettent de faire de la collecte de données et des envois un peu plus loin. Par exemple, c'est le cas avec les capteurs de Wateco qui permettent de faire, par exemple, un point de mesure toutes les 10 minutes et une remontée toutes les heures. Donc, ça permet de limiter les échanges radio. Après, plus votre capteur va aussi émettre fréquemment, plus il va manger de la batterie et moins il sera autonome. Voilà. Il aura changé les piles plus fréquemment. Ok, ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Merci pour ces interactions. N'hésitez pas à nous solliciter hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après coup. On est disponible. Juste une dernière slide pour vous dire que ben, le prochain webinaire sera le 8 décembre, consacré à nos partenaires Intesis et Anybus. Donc on verra les passerelles de conversion de protocole, les passerelles pour climatiseurs, les passerelles cloud, la nouvelle gamme de passerelles qui est la IN700 qui permet un peu plus de flexibilité, le logiciel Maps pour configurer tout ça, et on verra aussi les nouvelles passerelles Anybus X-Gateway qui permettent par exemple de remonter des données en MQTT. J'espère que cette présentation, ce webinaire vous a intéressé, qu'il a répondu à vos attentes. Je reste disponible hein, si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit email pour me poser vos questions. Sinon, vous avez aussi l'équipe commerciale qui peut vous répondre sur des devis, des choses comme ça. Moi, je ne vais pas gérer la partie prix, c'est eux qui pourront vous donner les informations. Après, je peux relayer vos messages vers eux. Merci de votre écoute, bonne continuation, bonne journée pour ce vendredi et bon week-end un petit peu en avance.
À bientôt.